Je t'embête pas, faut pas te déranger là. Ah, voilà. Voilà. Tu vois, je t'embête pas là. On est d'accord? Voilà, je vais m'en aller tranquillement la chèvre. Rayon de soleil. Le monde de Rabelais, endroit symbolique pour moi, parce que c'est là où on rentre dans le village de Seuilly. Hop là, on tourne dans la petite rue et puis tout d'un coup on trouve ce qu'il y a dans tous les hameaux, des stades de foot, des toilettes parce que ça doit servir de camping, le tout petit pont et puis ensuite les jardins potagers, il y avait deux chèvres. Et cette très grande rivière où peuvent s'affronter des milliers de gens qui s'appelle là le Quincampoix. Dans le Gargantois, c'est plutôt un nom générique, le Ved. Le Ved, c'est l'eau, quoi. Et puis des saules, la saulaie, quand on vient à l'eau, on vient sous les ombrages, on vient sous les saules. Et là, évidemment, pas moyen de savoir, mais partout en France, on a ces lavoirs, ce point où l'eau devient utile, où une fois par an, on vient battre les draps, tâches de femmes. Il n'y a pas d'ailleurs de référence au lavoir dans le Gargantois, mais probablement aussi refait plusieurs fois, 17e, 18e, et puis la toiture encore plus. Mais le lieu sur l'entrée du village, le rapport là, pouvoir être juste sur l'eau, là on est dans quelque chose qui n'a pas d'âge. Et dans les souvenirs d'enfance, c'est pas simplement ceux de ma génération, évidemment c'est avant, on en trouve partout, évidemment c'est après, c'est dans toutes les régions, c'est le lieu de jeu des enfants, c'est le lieu de capture des têtards, c'est le lieu où on peut jouer à la bouillasse, jouer à la flotte. Donc évidemment, là où on entre dans l'univers d'enfance du Gargantua,
Il est midi à Seuilly. Ce jeudi, vers le 6 avril de l'an 2023. On l'écoute tranquillement et je reprends. Mais je crois que c'est tout. Là, pour moi, ce lieu, c'était l'endroit où lire les Jeux de Gargantua. Et ce paragraphe des Jeux de Gargantua, ce qui est formidable, c'est qu'il y en a 142, je crois. Une fois, je suis venu à la Devinière avec des profs de lycée américaines, mais des dames elles-mêmes américaines qui enseignaient dans le Wyoming ou l'Ohio le français à quelques élèves que ça intéressait. Et je leur avais demandé de travailler sur tous les noms de jeux qu'elles pouvaient retrouver liés à l'enfance, mais venus de leur pays, des USA. C'est un de mes plus beaux souvenirs d'atelier d'écriture. Et pour moi, ça ne pouvait être qu'ici, dans l'eau de Gargantua et cette rivière qui devient un tel monde.